J'ai fait une promesse. Miles. Moi aussi. Pas de problème. Et sinon, vous pensez mettre le nouveau Spider-Man aussi? Le gamin? Ouais, peut-être bien. Mais bon, moi, je préfère l'original. Ouais, je comprends. Dites, Théo's Bodega, c'est par là? Ouais, c'est l'enseigne jaune un peu plus bas. Inratable. Merci. Et c'est du super boulot. Mais laissez un peu de place pour le nouveau. Au cas où. C'est super moche, mais il est sûr. Du moment que leurs problèmes d'octopode sont bien réglés. Espérons. Je suis plus très loin. À tout de suite. Faut prévenir maman que je serai en retard. Miles, que tal? Est-ce que t'as fait les cours? Salut maman. Ouais, mais il n'y avait plus que de coco à la bodega. Je vais dans une boutique du centre. Oh, merci. Mais évite Midtown. On voit que prisonnier bloque complètement la circulation. Oh ouais, bonne idée. À ce soir au dîner. Bisous. Ouah, comment il fait, Pete, avec son identité secrète? Ça, c'est un stress pas possible. Ok, du calme. Du calme. Tu vas aider Spider-Man à protéger un convoi géant de prisonniers. Tu peux y arriver. Inspiration, expiration. Du calme. T'es là? Ouais, je fais le plein de carburant. Comment t'arrives à boire? Eh ben, en faisant très attention. Ok, en voiture. X2 en route avec cargaison lourde. Bien reçu, X2, on vous aperçoit. C'est une sacrée opération. C'est normal! Des centaines de criminels se sont échappés du rap l'an dernier. Maintenant, il faut les remettre en cellule.
La police ne veut pas prendre de risques. Surtout avec notre invité d'honneur. On a beaucoup d'interférences, là. C'est un des anciens complices de Doc Ock. Possible. Peut-être Vulture. Ou peut-être Scorpion. Ou peut-être... quelqu'un de plus gros. Ok, là, on a un problème. Attends, Max, laisse-moi. Je m'en occupe, Pete. T'inquiète. Max, non. C'est sécurisé. Dérivé, Elite 2. Ouais, mal réparti. Corrigé vers 2-3, Pete. Le manche ne répond plus. On va se cracher. Elite 2 va s'écraser. Accrochez-vous. Elite 2 écrasé. Aucune victime. Cargaison compromise. Équipe d'intervention déployée. Accrochez-vous, Elite 2. Vite, je suis désolé, je voulais pas. C'est pas grave, on gère. Faut juste l'empêcher de s'ouvrir avant. Que ça m'arrive. Salut, les petites sales. J'ai les 6 derniers Noëls, j'ai rien qui mette ta série.
Alors celui-là, j'ai bien l'intention d'en profiter. C'est une menace. Non, trop léger. C'est une exécrable menace. Ah, trop simple. C'est une affligeante, consternante. Oh, ça vous va à ravir ce monsieur. C'est bon comme menace. Ça. Une scandaleuse, méprisable, intolérable menace. Qu'arrête-tu là? Hijo, donde está? Il est déjà tard. Allô, maman? Ouais, le lait de coco. Je cherche, mais je trouve pas. C'est le chaos, t'as pas idée. Qu'est-ce qu'il y a, tu cours? Ouais, désolé, j'essaie de choper un métro. Mira, mijo, c'est pas bien non. Prends une brique et rentre en vitesse. Si, ma. Quiero mucho. Moi aussi, je t'aime. Maintenant ou jamais, Miles. On doit l'arrêter. Ok, j'arrive. On doit l'immobiliser, et vite! Ouais, c'est quoi le plan? On va réchauffer tout ça! Oh, pas bon! Pas bon du tout! Pete, est-ce que ça va? Non! Non! Ça va! Je m'occupe de lui! On vient vers toi! Tiens-toi prêt! Ok. Ouais. Il faudra un peu de temps! Conseil pour la police! Laissez tomber les lance-roquettes pour escorter des prisonniers! Peut-être ? Laissez trouver les lance-roquettes tout court ! Hé ! Qui sait nous aider ? Sérieusement, plus d'évasion, s'il te plaît.
T'es vivant ? Plus ou moins. Messieurs ? Waouh, c'était... Waouh ! Simon Krieger, directeur de recherche de Roxxon Energy. Ravi de vous connaître. Pareillement. Désolé. Je crois que notre ballon a atterri chez vous. Non, vous nous avez rendu service. On vient d'acheter ce terrain, on comptait tout démolir pour un projet. Mais vous avez été plus rapide. Je voulais vous remercier. Tous les deux. Terrassé Rino. En solo. Tira loin, mon grand. Merci. Mais il est encore dangereux. Oh non. On le livrera à la police. Moi qui n'arrête pas de répéter qu'on n'a pas besoin de super soldats ici, et ce genre de choses arrivent. Oh, le devoir m'appelle. Hé, hey, c'était super de vous rencontrer, les garçons. L'avenir s'annonce radieux. Allô. Il a raison. On décolle. Laissons la police faire son boulot. Ouais. Ouais, ok. De la bioélectricité ? Waouh ! Moi, je vais pas te mentir. Je suis un peu jaloux. Oh, arrête. Je suis loin de t'arriver à la cheville. On devrait peut-être faire des tests demain. Une petite analyse du voltage. Ah, mince. Ouais, désolé. Je voulais t'en parler. Je serai un peu absent dans les semaines à venir. C'est encore une de tes blagues, c'est ça ? Non, en fait, MJ part en voyage pour le Bugle et je vais être son photographe, tu vois. En gros, on part bosser à l'étranger. Oh, waouh ! Écoute, je crois pas être prêt à bosser en solo. J'ai fait n'importe quoi aujourd'hui avec l'hélicoptère. Mais après, t'as tout cartonné ! Tu m'as sauvé aujourd'hui, Miles. J'ai eu de la chance. Hey, j'ai fait ce boulot pendant 8 ans sans assistance. Et crois-moi, je me suis planté un paquet de fois. C'est comme ça qu'on apprend. Qu'est-ce que c'est ? Ton cadeau de Noël. Mais d'abord, tu dois prêter serment. Hein ? Ok. Je promets de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour protéger cette ville. Je promets. Voilà, c'est bon. C'est sérieux ton serment ? Ouais, bien sûr. T'as cru quoi ? Que c'était de l'impro ? À dans quelques semaines, Spider-Man. Le seul Spider-Man de New York. Le seul Spider-Man de New York. Le seul Spider-Man de New York. Hé, hey, Ganky. Mec, j'hallucine, Rino. Ouais, t'es où? T'as pu entrer dans l'appartement? Ouais, ta mère m'a laissé entrer. J'ai défait slash vidé mon sac à l'arrache chez toi. Je suis sorti prendre l'air dans le parc, là. Nickel. Tu peux passer à l'amphithéâtre? J'ai un truc à te montrer. C'est un truc genre Spider-Truc ? Oh, dis-moi que t'as chopé un bout de la corne de Rhino. J'ai vu des photos du combat, un truc de malade. C'est complètement un Spider-Truc. Et c'est bien mieux que la corne. Ah, le suspense est intenable, j'y suis. J'en reviens toujours pas que tu puisses faire ça. Hé, hey, attends, regarde. Un cadeau de Noël de Spider-Man. Ouvre-le. Waouh. Essaie-le. Je te couvre. Quoi? Vous avez jamais vu quelqu'un changer à Central Park? Alors? C'est comment?
Wow. Miles Morales, félicitations et bienvenue dans ta première super tenue. Bienvenue dans État de fait, en compagnie de votre pourfendeur de mensonges préféré, J. Jonah Jameson. Quoi ? Pete programme ses tenues pour se connecter à l'émission de Jameson ? Il est maso ? Triste nouvelle, cher. Mon spectacle de charité de Noël a été annulé pour cause de bouffonnerie de justicier en costume. Il y a sûrement mieux à écouter. Ah, on m'en a dit du bien de celui-là. Bonjour, je suis Dani Carhart et vous écoutez le Dani Cast. Je dresse le portrait des gens qui rendent notre ville meilleure. Le sujet du jour ? Oh, on pourrait parler des traders, des facs à but lucratif, de l'inventeur des vidéos sur Internet. Mais non, on va parler de cette incroyable raclée infligée à Rhino par deux Spider-Man. Je m'abonne, le Dani Cast, mon nouveau podcast préféré. Hey, tu pourrais faire un tour par Roxanne Plaza avant de rentrer. Je viens juste de passer devant et je crois que quelqu'un est entré par effraction. Ouais, je vais aller voir. Bon, je veux tout savoir sur ton nouveau speeder pouvoir. Je crois que c'est une espèce de charge bioélectrique ou de l'électricité statique ultra concentrée. Waouh, il faut qu'on lui trouve un nom. Pourquoi pas puissance bioélectrique. Ça sonne bien, non? Ok, c'est pas mal. Faut que je file. Je dois aller. D'abord la plaza et après je rentre. Oublie pas, puissance bioélectrique, ça claque. Bonjour, je suis Simon Krieger. Et cette chose à côté de vous est un réacteur aniforme. Une fois activé, ce réacteur fournira suffisamment d'énergie pour alimenter tout Harlem. J'entends d'ici vos questions. Simon, comment est-ce possible ? Ma réponse, c'est le nuforme. Une seule bonbonne de cette invention révolutionnaire suffit pour fournir Harlem en énergie propre et sans danger pour les 5 prochains siècles. Bientôt, nous installerons des réacteurs à travers Manhattan et ensuite dans le monde entier. Tenez-vous prêt pour une planète qui carbure au nuforme. Roxon, nous sommes là pour vous. C'était quoi ? Il n'y a pas l'air d'avoir grand monde. Ils ont vandalisé des trucs. Ils cherchaient peut-être quelque chose. Ils ont fait une recherche nuforme. Qu'est-ce qu'ils comptaient faire à eux ? Tous cette nuit. Leur matos est dingue, mais la bioélectricité peut rentrer. Ouais, Banky a raison. Bioélectricité, c'est bien. Attention, il a tous les gens derrière en haut. Merci.
Parlait de cargaison de Nuforme. Faut que je découvre ce qu'ils ont trouvé pour anticiper leur prochaine attaque. Ils suivaient des cargaisons de Nuforme. Mais pourquoi ? Les gardes de Roxxon, ils s'occuperont du reste. Je m'occuperai de ça plus tard. Je vous nettoie ça en 2 secondes. Et voilà. T'inquiète, mec. Ay, bendito. Mijo, qué guapo. Gracias, mami. On a de la visite ce soir. Tu pourrais arranger l'appartement? Oh, et mettre une petite musique d'ambiance? Ah, Nadia. Quoi? Ta directrice de campagne le soir du réveillon? Le rassemblement ne va pas s'organiser tout seul. Merci de tout mettre en place, Mijo. Allô? On a obtenu l'autorisation pour demain. 15 ans à Brooklyn sans une seule tâche. On déménage à Harlem. Ça doit être un signe. Je croyais qu'on avait déjà signé ces formulaires. Je suis content que le sapin de papa ait tenu le coup. Moi aussi. Il y tenait énormément. Un vrai Noël, c'est un Noël à Brooklyn. Ça me manque de l'entendre dire ça. Oui, bien sûr. Tu seras fier de moi, papa. Je croyais qu'on avait déjà signé ces formulaires. Maman non plus n'a pas fini de déballer ses affaires. Cette tapisserie, c'est trop abuela. C'est quoi ça? Ah, ça a dû atterrir dans le mauvais carton. Un vieux dossier de police de papa. C'est qui, le rôdeur? Je me demande si papa l'a attrapé. Je m'étais pas replongé dans tout ça depuis l'hôtel de ville. L'album préféré de papa. Il le mettait tous les dimanches en faisant le café. C'est parfait. Posé, glace. T'aimais pas le jazz quand j'étais petit? Ton père m'a appris à l'apprécier. Ça fait des années que cette sonnette ne marche plus. Miles, tu peux y aller? Finn? Salut. J'ai réparé ta sonnette. Ça me fait trop plaisir de te voir. On s'est pas vu depuis... Des mois. Il y a eu du changement. Ouais, ça c'est sûr. C'est notre invité d'honneur. Rentrez tous les deux. Le dîner est presque prêt. Finn... Je suis vraiment contente que tu aies pu venir. Merci de m'inviter, Madame Morales. Tu nous as manqué. À lui en particulier. Ah, salut. Finn, voici Ganki, mon pote du lycée Brooklyn Visions. Ganki, voilà Finn. Ma meilleure amie. Enfin, avec toi. Ah ouais, vous avez gagné le concours de sciences au collège, c'est ça? Vous aviez fait un... Convertisseur d'énergie. Chips. Ah.
L'électricité dans ce bâtiment est une catastrophe. Je vérifie le disjoncteur. Grazie. Alors, Noël aux chandelles ? J'ai pas fait ça en réparant la sonnette, promis. J'avais pas pensé. Ça marche pas. Le coupe-circuit est pas alimenté. C'est coupé dans toute la rue, on dirait. Je vais aller jeter un œil sur l'escalier de secours au cas où. D'accord, chérie. Mais fais attention. On peut sûrement pas atteindre le transformateur en passant par là. Moi, je suis super collant. Regarde pas par la fenêtre. Regarde pas par la fenêtre. Vous croyez que Miles s'en sort dehors ? J'espère. Les plaques à elles seules ne suffiront sûrement pas à sauver. La bioélectricité peut assommer Rino. Mais est-ce qu'elle peut sauver le repas de Noël ? Allez, ça a marché. Il y a un peu trop de lumière. J'y avais pas réfléchi. Je dois rentrer en vitesse. Allez, Gangi. Miles est toujours dehors ? Et si on prenait une photo ? Maintenant ? Ouais, parce que les bons moments, faut les immortaliser. On n'attend pas Miles ? Non, il a horreur des photos. Allez, rapprochez-vous de moi. Prêt ? Super, c'est magnifique. Oh, tiens, Miles. On passe à table ? Vous pouvez aller vous asseoir, je m'en occupe. Ça sent bon. Tom, tom. On this cold December day, we are on our merry way, riding along, just singing a song, barreling through the snow. Bells are jingling, snowflakes tingling, Rudolph knows where to go. On this cold December day, Finn, raconte-nous un peu ce que tu deviens. Toujours dans ton club de robotique ? Je l'ai quitté, mais j'étudie la biotechnologie de mon côté. Crâneuse. Oh, tu peux parler ? Tu portes une cravate pour aller à l'école. Hé, hey, seulement les mardis. Ton frère Rick travaille toujours chez Roxanne ? J'arrive pas à croire que des gens travaillent encore pour eux après votre campagne. Vous avez vraiment démoli Simon Krieger. Ça me fait penser. Ganki, les réseaux sociaux, c'est ta spécialité, non ? Tu peux faire circuler l'info pour le meeting de demain ? Ouais, à minuit, on parlera que de nous. Parfois, on dirait que c'est Simon Krieger, mon véritable adversaire. Roxxon a une influence énorme ici, mais ils ne rendent de compte à personne d'autre qu'à leurs actionnaires. Il nous faut quelqu'un qui se batte pour la communauté. Ça, c'est maman en mode politicienne, au cas où tu l'aurais pas remarqué. Est-ce que vous voulez relire ça avant que je le publie ? Oui ! Ne touche à rien ! Est-ce que t'as des soucis ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Bah, t'as l'air... je sais pas... préoccupé. Est-ce que tu veux m'en parler ? Pas ce soir. C'est Noël. T'es pas trop triste d'avoir quitté Brooklyn ? Franchement, ça va. Oh, t'as le cafard ? Non. Traduction, je suis triste, mais je suis trop gentille pour le dire. Non, c'est juste que je connais personne ici. Et en plus, je suis toujours obligé de demander mon chemin. Faut trouver un bon restaurant, un bon coiffeur et un terrain de basket. Tu t'adapteras. Sinon, ça te dirait qu'on se voit demain ? Nous deux, tranquille. T'es sûr que t'as le temps ? Oh, c'est les vacances. Je peux passer au moins une semaine sans faire des devoirs. Ok, je t'appellerai. J'ai trop hâte. J'ai hâte qu'on se voit entre amis. Je vois que t'es toujours aussi douée avec les filles. Miles !
quoi? T'es réveillé? Non. Je suis resté debout toute la nuit pour créer une appli pour ta tenue. Elle a un système d'exploitation de malade, j'ai jamais vu ça. Mais je l'ai passé dans un désassembleur pour décortiquer l'architecture du plugin et... Ah, tu viens de te rendormir, pas vrai? Miles! Je dors pas. J'ai presque fini de la compiler. Et voilà. Tu veux essayer ma nouvelle appli? Ouais mec, quand tu veux. Je suis connecté à tes analytiques. C'est parti pour le test. Ok. Je peux voir tout ce que tu vois. Comment tu fais pour pas gerber tout le temps? Avec beaucoup d'entraînement. Bienvenue dans mon application Araignée 1.0. Elle permet aux New Yorkais de demander directement de l'aide et de signaler les crimes en cours. Chouette l'interface. Merci. Oh, regarde, quelqu'un vient de faire une demande. La demande provient d'un certain Aaron Davis. Hein, quoi? C'est mon oncle. Il sait que tu es Spider-Man? Non, ça doit être une coïncidence. Je me dirige vers la station de métro. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Bonjour. Vous avez demandé de l'aide? Je suis Spider-Man, au fait. Ouais, je sais. Aaron Davis. Je crois que quelqu'un a touché au capteur. Je reçois des données corrompues du relais principal en haut de Grand Central. J'y vais. Attends. Quoi? Où il est, l'autre Spider-Man? Oh, il est en vacances. Mais vous en faites pas. Je gère. C'est bon, il m'a pas reconnu. Oh, là, il appelle via l'appli. C'est Spider-Man. Eh, hey, j'ai oublié de te dire. Il y a eu un cambriolage à côté la nuit dernière, à Roxon Plaza. Un groupe appelé l'Underground. Il traînait à ma station ce matin. L'Underground? Vous savez autre chose sur eux? Ils se considèrent comme la nouvelle mafia. Ça fait un bout de temps qu'ils existent. Mais ils ont un nouveau chef. Tinkerer. Tinkerer. Merci pour le tuyau. Et sinon, vous appelez souvent Spider-Man? Genre, pour lui demander de l'aide. On pouvait pas vraiment te joindre avant cette appli. Mais je t'ai vu arrêter Rhino au journal télé hier soir. Je me suis dit que t'étais la personne à appeler. Cool. Et ça fait longtemps que vous travaillez dans le métro? Non. J'ai commencé l'année dernière, quand mon frère est... Enfin, bref, j'avais besoin de changement et je me suis dit que ce boulot était un bon début. Mais les trains qui tombent en panne pendant mon service, ça la fout vraiment mal. Eh ben, quand on aura résolu le problème, vous pourrez dire à votre patron que vous avez fait preuve d'initiative en utilisant l'appli Araignée Sympa du quartier. J'y manquerai pas. Bonne chance avec les capteurs. Oh, le pisseau, Spider-Man arrive. Voilà les capteurs. Il y a beaucoup trop de câbles sur celui-là. Ça doit interférer avec le signal. Ils vont où, ces câbles? Hey! Et toi-même, ouais? Il y a quelque chose qui brouille les signaux du relais. Tous de dingue. Ça me plaît pas, mais... Les capteurs remarchent. Qu'est-ce que t'as fait? Je me suis occupé des types qui jouaient avec. C'est l'heure d'essayer mes nouveaux holodrones. Il va voir de quoi on est capable.
Prochain métro dans 5 minutes. Merci de vous éloigner de la porte d'entrée. Est-ce que ça va, monsieur Davis? Ouais, grâce à toi. Oh, tiens, un cadeau. Une carte de métro annuelle illimitée. Merci. C'est Miles avec un seul L. Comment t'as... ok, je dois y aller. Attends, Miles. J'ai eu des soupçons en regardant le journal télé hier. Quand je t'ai vu te battre contre ces prisonniers, tu esquivais dans tous les sens. J'avais l'impression de te revoir jouer au basket avec ton père et moi. Avant, t'étais rapide. Maintenant, t'es une flèche. T'en fais pas. Je dirai rien à ta mère. Promis. Promis. Regarde-toi. Si ton père pouvait te voir... Il serait sûrement furax. Il serait carrément furax. Alors, tu vas remplacer l'autre Spider-Man? Non. Je te l'ai dit, il est juste en vacances. Je vois. Et il t'a confié la ville? Ouais. Une grosse responsabilité pour un gosse de ton âge. Ça me fait pas peur. J'espère. Mais écoute, si t'as besoin d'un coup de main, tu m'appelles. Je veux t'aider. Ok? Ça marche. Merci. Hola, mijo. Juste pour te dire que mon food truck préféré sera au rassemblement ce soir. Cherche un logo avec un kebab géant. Ok, merci pour le tuyau. Hé, maman, je voulais te demander, vu que t'es au courant de tout ce qui se passe à Harlem, t'as entendu parler de l'Underground? Oui. Ils n'arrêtent pas de vandaliser les propriétés de Roxxon. Et je crois qu'ils recrutent même les jeunes du quartier. Pourquoi? Ils n'ont pas essayé de te mêler à leurs histoires, j'espère. Non, non. Oncle Aaron m'a déjà prévenu. Ouais, je l'ai croisé à la station de métro, près de chez nous. Tu savais qu'il bossait là-bas? Non. Tu sais très bien que je ne veux pas que tu le fréquentes. Mais papa et toi m'avaient jamais dit pourquoi j'ai plus le droit de le voir. Je l'ai tout le temps à la maison avant. Ça, c'est à Aaron de te l'expliquer. Attendez une minute! Désolé, on est en plein préparatif. C'est pas grave. Va sauver le monde, maman. Un vote à la fois. Je t'ai déjà dit que t'étais mon fils préféré. La concurrence est rude, en plus. Bisous. Hé, le mollasson ! Là-haut ! L'escalier de secours est plus qu'il était. Fais gaffe en montant. C'est pour ça que tu voulais me voir ici. J'ai failli partir, t'as mis des plombes. Viens m'aider, c'est coincé. La capsule a connu des jours meilleurs. Est-ce que tu te souviens du code? Ouais, c'est... Attends, c'est... Sérieux? Quand est-ce que vous allez retenir ce code? Je serai pas toujours là pour vous le donner. On se rappellera, on se rappellera. On se rappellera, ouais, ouais. Bon, alors, qu'est-ce que vous avez l'intention de mettre là-dedans? On peut rien te dire. C'est entre Miles et moi. D'accord, c'est ça. Gardez le secret, c'est plus sûr. Eric, tu penses que tu vas accepter ce boulot chez Roxxon? Pourquoi? Tu veux le prendre à ma place? Peut-être. J'attends de voir l'offre. Je vois, j'ai de la concurrence. Eh ben, c'est une bonne offre. Ils veulent que je dirige leur groupe énergie propre. Et vous me connaissez. L'énergie propre, ça sauve le monde. J'adore mon fan club de nerds. Oh, quand on parle du loup, c'est Roxxon. Je reviens. T'as bien retenu le code, hein? La suite de Fibonacci. Cool. Notre prix? Quand même, notre convertisseur d'énergie était épique. Grave. Tu crois qu'il est toujours exposé au Forum des Sciences? J'espère. Waouh. Regarde-nous. Les têtes de blaireaux. Eric a l'air trop cool à côté. Ouais,
Il y a un problème avec lui ? Vous vous êtes disputé ? Non. Pas du tout. Finn. C'est bon, ça va. Pourquoi on s'est perdu de vue ? Merde, je suis en retard. Je dois y aller. Hé, j'ai comme l'impression qu'on se cache tous les deux des choses. La prochaine fois qu'on se voit, on se dit tout. Ok ? Ouais. Peut-être. Si t'es à l'heure. Bon, bah, plus tard, Nabo. Je te signale que je suis plus grand que toi. Hein. Pas là-dedans. Téléphone, check. Carte de métro, check. T'as pris la clé ? C'est bon, je l'ai. Dépêche, on va être en retard. Hey, et toi, je vais te mettre plein de neige dans ton costume. Au fait, tu le portes ton costume ? Ouais, c'est juste au cas où. Mais tout ira bien. C'est ça qui est cool quand tu vis à Harlem. Les marchés éphémères, la meilleure bouffe en ville et la super musique. J'avoue que c'est pas mal. Qu'est-ce que tu penses de Rio Morales ? Tu vas voter pour elle ? Encore du mal à imaginer ma mère en figure politique. Je l'ai toujours connue comme enseignante. C'est les mêmes compétences, non ? Regrouper des gens. Ça rend vachement bien. De rien. Oh. Désolé. Je devrais faire langage des signes avec toi le semestre prochain. Déjà que je maîtrise à peu près l'espagnol. Ah, si ? Desde cuando ? Gloria, salut. Salut Miles. Voici Steph, ma compagne. Une nouvelle bénévole au Fist. Ravie de te rencontrer. Je suis sûre qu'on se recroisera au refuge. Puisqu'on en parle. Aucune heure pour toi jusqu'à la fin des vacances. Si on n'a pas fermé d'ici là. Comment ça ? Ah, t'inquiète pas pour ça. Profite du discours de ta mère. Je te rappelle à la rentrée. Il est mignon. Krieger s'exprime bien, mais je sais pas trop. Ouais, Roxxon est devenu trop gros, trop vite. J'ai du mal alors. Je m'attendais pas à te voir ici. Je vais filer avant que ta mère me voie. C'est qui, lui ? Mon ami Ganki. Il me file un coup de main pour mon projet d'araignée. Prends soin de mon neveu, d'accord ? J'essaye, mais il me donne du fil à retordre. J'entends tout ce que vous dites. Amuse-toi bien au meeting de ta mère. Hé, hey, tu lui as dit ? Il a compris tout seul. Je t'expliquerai quand on sera rentré. Bonne chance, Madame Morales ! Merci, Tim. T'as vu ? Roxxon a vraiment installé une surveillance permanente partout, hein ? Ouais, c'est clair. Buenas noches, vecinos. Vous vous souvenez de ce que nous avons perdu ? Quand les bulldozers ont rasé ce quartier. Hé, hey, est-ce que ça va ? Je vais vous le rappeler. Ouais, c'est juste que la dernière fois, on a fait ça, mon père. Où l'on vendait les meilleures crèmes glacées de toute la ville. La garderie Juniperos. T'inquiète pas, mon pote. Ta mère a plein de gens pour la protéger. L'église Sainte-Thérèse. Et sa chorale. On pouvait entendre et puis... la rue, maintenant, t'es Spider-Man. Aujourd'hui, Roxxon fait transiter son carburant expérimental dans toute la ville. Mais il refuse de nous parler des risques. Ce message s'adresse à Roxxon. L'homme pour qui vous travaillez, Simon Krieger, est un meurtrier. Cette plaza est un hommage à tous les crimes qu'il a commis. Je ne la laisserai pas ouvrir. L'Underground l'empêchera. On a un problème ici. On est pas reculés. Garde son calme.
peux pas t'enfuir. Sortez vos armes. Ils ont besoin de toi. Je vais aider ta mère. Je suis là. Vas-y. Ils ont attaqué. Je croyais qu'ils en avaient après l'uniforme, mais il n'y en a pas sur place. Faut que je comprenne ce que veut Tinkerer. Ok. Je me connecte à tes analytiques. Si jamais je peux aider. Bonne idée. Gandhi, merci d'avoir aidé ma mère. De rien, mon pote. C'était quoi ? Miles, grazie a Dios. Où es-tu ? Je suis à la maison, mais je peux venir à l'hôpital. Non, tu restes à l'abri. Mais tu es blessé. Imagine qu'il t'arrive quelque chose pendant que je suis pas là. Hijo, c'est pas comme à l'hôtel de ville. Tout le monde va bien. Reste à l'abri. Entiendes ? Je reviens bientôt. Et je te laisserai signer mon plâtre. Ok, mami. Nos vamos en casa. Te quiero. Claron, tout va bien ? Je vais bien. J'ai essayé de vous appeler, ta mère et toi. Vous êtes où, là ? Je me dirige vers le pont Braithwaite. Il y a eu une explosion. Ok. Mais si Roxxon se pointe, tu décampes, d'accord ? Ils vont chercher des coupables après ce qui s'est passé. Et ils vont pas se contenter de Tinkerer. Ok. Je fais attention. Ça m'inquiète, cette explosion. Je dois faire vite. Roxxon Plaza, c'était qu'un avant-goût. Ou une diversion. N'évite de se tirer dessus, ok ? C'est l'uniforme qu'on veut. Ignorez tout le reste. Débarrassez-vous de lui! Prenez tout ce que vous pouvez emporter! Qu'est-ce que tu fais? Il le rend instable! Couchez-vous! Occupe-le. Il a fait sauter le camion. Miles, j'ai vu l'explosion. Est-ce que t'es blessé ? Ça va, mais... T'as vu ? Oh mon Dieu ! Qu'est-ce que tu as vu aujourd'hui ? Si seulement...
Initialement, j'avais fait le rapprochement. Mais c'est pas ta faute. J'étais tellement content d'avoir que j'ai été distrait. Faut que je fasse plus d'attention. Exploser. Tout le monde va bien. Après l'explosion, le pont s'est mis à... On a l'autre Spider-Man en visuel. On attend les ordres. Qu'est-ce qui se passe? J'en sais rien. Bien reçu.